Merci beaucoup, Amandine. Eh bien, c'est vraiment une fête de pouvoir tous se réunir autour d'un sujet avec des regards différents. Et je tiens à nouveau à vous remercier d'être tous autour de cet événement. Alors, pour le thème que je vais vous présenter, il va y avoir, je pense, je vais vous faire une approche holistique des différents autres thèmes qui vont être développés beaucoup plus en détail dans le cadre de ces deux tables rondes. Pour ma part, j'ai proposé le titre suivant, Vers une reconnaissance de droits et devoirs transgénérationnels environnementaux face au transhumanisme. Alors, en guise d'introduction, revenons sur de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on et pourquoi avons-nous cherché sur ces terrains que j'ai commencé à défricher avec Amandine ces derniers temps? On termine tout juste une recherche de 2 ans et demi et vous aurez prochainement un prochain tome qui va paraître dans la collection de la chaire Normandie pour la paix, qui s'intitule Regards croisés sur le transhumanisme, au sein duquel également certains panélistes ici présents ont participé. Et dans le cadre de cet ouvrage, nous avons déambuler à travers différentes acceptions du mot transhumanisme. Et tout à l'heure, cet après-midi, Marc Roux et Didier Cornel vont certainement aller beaucoup plus finement dans les détails. Une chose est sûre, c'est qu'après cette recherche aussi qui s'est ajoutée à une autre recherche de terrain menée dans le cadre du GIP, Mission Droit et Recherche Justice sur transhumanisme et droit, où nous avons rencontré donc Marc Roux et Didier Cornel qui sont de l'AFT, l'Association française du transhumanisme. Nous sommes allés aussi à Oxford, nous sommes allés aussi en Espagne pour comprendre la sémantique, la vision des choses et mener cette recherche de manière objective. Et donc, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une véritable constellation d'idées autour du transhumanisme et parmi cette constellation d'idées figure la progression de l'intelligence artificielle et on verra que c'est un modèle de développement qui suppose aussi de questionner les conséquences environnementales. Alors c'est très large, tout le monde ne partage pas le même intérêt au sein du mouvement transhumaniste. Didier Cornel en parlera tout à l'heure, lui son intérêt c'est plus vivre mieux plus longtemps. Pour d'autres, ça va être la conquête de l'espace. Pour d'autres, ça va être l'augmentation de l'intelligence humaine, fût-ce au recours, par le biais du recours à des prothèses neurologiques. Pour d'autres encore, cela va passer par plutôt une modification génétique de l'espèce humaine. On voit bien que nous entrons dans une nébuleuse d'idées qui enclenche toutes de manière systémique des transformations qui n'ont, on va le voir, qui sont loin d'avoir aucune répercussion sur l'environnement et qui nous demandent plus que jamais de nous questionner avec urgence sur notre responsabilité envers les générations futures. Alors, l'objet de ma présentation est de questionner cela sous le prisme très particulier de la reconnaissance de droits et de devoirs transgénérationnels. Alors, j'entends quelqu'un qui parle. Tac, je vais mettre ça. Excusez-moi. Alors, cette recherche que je développe, c'est dans la lignée du philosophe allemand Hans Jonas, notamment, que je l'ai développée. C'est-à-dire que j'ai été beaucoup inspirée par son ouvrage Le principe responsabilité pour une responsabilité nouvelle à l'égard des générations futures à l'ère des nouvelles technologies. On peut convier de nombreux auteurs, notamment Paul Ricoeur, qui en appellent à une extension de la dimension temporelle de notre responsabilité en disant que notre responsabilité doit s'étendre aussi loin que va nos pouvoirs. Alors, quelle lecture transgénérationnelle des droits et devoirs pouvons-nous proposer? Alors, je vais proposer tout d'abord une lecture transgénérationnelle des droits, c'est-à-dire quels droits peut-on imaginer ou créer, décliner pour les générations futures? Quelles possibilités de reconnaissance de droits transgénérationnels? Eh bien, déjà, pour répondre à cette question, et on le développera avec nos collègues tout à l'heure plus en détail, tout dépend quel est le postulat de départ. Est-ce que l'on se positionne sur un postulat de responsabilité de maintenir, de préserver l'intégrité de l'espèce humaine comme elle est ici et aujourd'hui pour aujourd'hui et l'avenir, ou est-ce qu'on se positionne du point de vue transhumaniste? Alors pour les tenants d'une approche jonasienne, on sait que Hans Jonas formule différents impératifs de responsabilité, dont le plus fort au regard du transhumanisme est celui de préserver un destin
authentiquement humain pour l'humanité. Il en appelle aussi à une responsabilité de respect et d'intégrité du vivant non humain et de respect des grands équilibres de la biosphère. L'objectif n'est ni plus ni moins que de garder pouvoir et savoir, c'est-à-dire capacité cognitive de penser ce que nous sommes en train de faire et le savoir-faire. C'est toujours dans la lignée également de la pensée de la philosophe Hannah Arendt que ce lien entre savoir, penser et savoir-faire s'inscrit. Alors pour les générations futures, est-ce qu'on peut reconnaître des droits? Jusqu'à encore récemment, c'était véritablement une idée plutôt prospective, académique, qui a été reconnue à titre infiniment exceptionnel de ci, de là. Mais cette idée de reconnaissance des droits des générations futures est de plus en plus développée. Pour faire simple, le concept de génération future était jusqu'à présent contenu dans d'autres concepts qu'on peut dire matriciels, c'est-à-dire des concepts qui, en eux-mêmes, incluaient le concept de génération future comme celui d'intérêt général de l'humanité ou encore de patrimoine commun de l'humanité, essentiellement développé en droit international. Alors, comment la rencontre entre le monde des droits humains fondamentaux peut-il se faire avec le concept de génération future? De deux manières, et puis il y a deux grands pôles. De deux manières, premièrement, sous l'effet de la progression du droit de l'environnement qui reconnaît l'objectif de développement durable qui se définit précisément en lien et en perspective avec le concept de génération future, et d'autre part, par le développement et la reconnaissance de droits de l'homme à un environnement sain. Tout simplement, cette jonction entre environnement et concept de droits de l'homme métamorphose le concept des droits de l'homme, la manière de penser, d'imaginer, mais bien évidemment de mettre en œuvre le droit à un environnement sain à dimension de temps environnemental, écologique, et donc on rejoint les générations futures. Alors, cela donne aussi donc deux pôles principaux pour le droit des générations futures, qui n'est pas uniquement environnemental. Ça, c'est le premier pôle qui nous réunit aujourd'hui, mais compte tenu du thème qui nous retient aujourd'hui, le transhumanisme, il y a le deuxième pôle qui est également convié, qui est le pôle de la bioéthique, la question de l'intégrité de l'espèce humaine, donc des questions ontologiques par rapport au destin de l'humanité en tant qu'être humain, dans sa condition anthropologique, et questions plutôt environnementales sur le destin de l'humanité en lien d'interdépendance avec les autres éléments vivants non humains et intégrité du système Terre. Alors, quels peuvent être ces droits transgénérationnels? On peut avoir deux lectures possibles. Soit on prend des droits qui existent déjà, et c'est ce que j'enseigne depuis 5 ans à Sciences Po Rennes, et on les décline, on les étend par ricochet, par une interprétation transgénérationnelle. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le droit à la vie. Traditionnellement, le droit à la vie, c'est le droit de ne pas être condamné à la mort. Mais pour les générations futures, à travers le prisme jonassien, cela donnerait le droit de vivre un destin authentiquement humain. Le droit de naître sans avoir son existence prédéterminés. Alors, ces deux droits seraient plutôt des droits nouveaux, mais les droits classiques transgénérationnels seraient le droit à un environnement sain des générations futures ou encore le droit à la santé des générations futures. On l'a entendu tout à l'heure avec la présentation de M. Pitron, les conséquences environnementales du développement de la matière première, l'origine de tout ce modèle technologique et de développement de l'IA, engendre des pollutions systémiques et en cascade qui sont également transgénérationnelles. Donc on pourrait croire que le droit à un environnement sain pour les générations futures devrait permettre de poser des bornes à cette exploitation qui serait débordante et écocidaire de l'environnement. Sur le droit à la santé, se pose la question de manière très très ambivalente. Le droit à la santé des générations futures, à travers le paradigme jonassien, ça pourrait être un droit à la santé authentiquement humaine. Mais tout à l'heure, on va voir, ça peut être présenté d'autres façons. Alors, je l'ai dit en premier, mais je vais le répéter, d'autres droits peuvent être inventés. Donc, j'ai dit le droit à la vie authentiquement humaine, le droit de naître sans avoir une existence prédéterminée, que ce soit par manipulation génétique, par choix, par sélection eugénique. Et déjà aujourd'hui, de nouveaux droits se développent, c'est ce qu'on appelle les neurodroits, et le Chili vient d'adopter la première loi à ce sujet, consacrant peut-être la dernière frontière
qui fait un effet retour sur les droits de l'homme de la première génération, la liberté de penser. Et se pose vraiment la question si même nous-mêmes, nous avons une liberté de penser à l'ère des algorithmes qui nous influent dans nos humeurs, dans nos perceptions, dans notre accès à l'information. On voit bien que tout, pour nous déjà, est remis en question. Mais cette perspective de l'intégration d'artefacts biotechnologiques, techniques, dans le corps humain, que ce soit dans le cerveau, mais pas que, pose la question, effectivement, de consacrer des neurodroits. Alors ça, c'est une première lecture, mais une deuxième lecture, qui sera certainement encore plus développée cet après-midi, c'est pour les tenants des transhumanistes. Qu'est-ce que ce serait? Quel droit des générations futures pourrait-on invoquer? Alors à nouveau, du côté des droits classiques, il y a souvent le droit à l'innovation ou la liberté d'entreprendre qui est conviée. On pourrait dire qu'on a un droit à développer les technologies que l'on souhaite, et souvent ce droit à l'innovation est invoqué par ceux qui sont rétifs à la protection et à la progression du principe de précaution. S'ajoute souvent à ce droit à la liberté d'entreprendre, qui est finalement une accélération de la liberté individuelle et de la liberté de marché qui va de pair, me semble-t-il, avec le capitalisme. Mais vous voyez la présentation faite par ce matin par Aldo Hasler et par Michel Debré permet d'ajouter d'autres moments de réflexion. On pourrait estimer qu'il y aurait un droit au progrès technologique qui pourrait être invoqué, mais il y a un biais, bien évidemment, intellectuel à invoquer un droit au progrès technologique, puisque ce serait manquer de réalisme par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, cette impasse environnementale, le fait de croire à un développement infini du numérique sur une planète aux ressources finies, n'est pas un modèle viable ni concevable. Je ne pense pas que ce soit seulement du point de vue théorique. Mais un autre droit qui pourrait être invoqué, un nouveau droit pour les tenants transhumanistes, ce sera un droit à l'augmentation. Je me rappelle avoir échangé avec certains transhumanistes qui estimaient « mais moi, je peux avoir le droit de m'augmenter. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de m'augmenter ?» Et je revendique cette liberté individuelle comme une nouvelle liberté. Et dans cette droite lignée, certains auteurs, donc dans le cadre de nos travaux, c'est M. Baerci qui en a parlé, revendiquent l'idée de proposer de consacrer une liberté morphologique. Ce serait une nouvelle déclinaison d'une forme de libre disposition de son corps à l'ère des nouvelles technologies, alors que l'on sait que déjà, la disposition du corps n'est pas libre et elle est encadrée d'ordre public au jour d'aujourd'hui. La liberté morphologique, ce serait quoi? Ce serait la liberté de se modeler à sa guise, de se transformer, un peu comme dans des récits de science-fiction où là, nos adolescents, au lieu de changer de dernier t-shirt à la mode, pourraient venir à changer de dernière prothèse bionique ou autre artefact que l'on n'est même pas peut-être capable d'imaginer aujourd'hui au gré des modes technologiques. Voilà pour un premier tour d'horizon pour montrer comment les droits fondamentaux pourraient se développer de manière ambivalente au transgénérationnel et ouvrir de nouvelles voies. Bien sûr, chacun de ces droits et chacune de ces lectures appelle à des développements beaucoup plus approfondis. Mais je donnerai juste un exemple. C'est que ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait des droits des générations futures, pendant longtemps, c'était une utopie, c'était une proposition prospective, un peu consacrée de ci, de là, mais elle a été consacrée devant une juridiction constitutionnelle encore dernièrement en Allemagne, à Karlsruhe, où il a été clairement énoncé que nous avons des droits et des devoirs fondamentaux envers les générations futures. Alors pourquoi parler autant de devoirs que de droits? Traditionnellement, pour les juristes, les devoirs relèvent de la morale et non des droits fondamentaux. Pourtant, quand on lit chacun des textes consacrés aux droits de l'homme, on trouve toujours l'expression devoir. Mais les juristes ont cette analyse selon laquelle les devoirs relèvent de la morale. Il faut bien comprendre que reconnaître des devoirs fondamentaux, cela implique un changement de paradigme pour les juristes. Cela veut dire accepter que des devoirs nous incombent unilatéralement envers les générations futures. Et ça vient enrichir l'univers des droits des générations futures. Et ça va de pair, parce que nous ne sommes pas dans un rapport symétrique. Nous tous ici, nous avons un contrat social instantanéiste et de réciprocité juridique.
Mais lorsqu'on parle des générations futures, c'est les générations futures qui commencent par nos enfants, puis celles d'après, de manière continuelle, sans limite, et donc de manière transitive. Et cette nouvelle mise en relation avec l'avenir, qui n'est pas réciproque, vous voyez que même le terme relation n'est pas adéquat, suppose de reconnaître des devoirs tout aussi fondamentaux que les droits fondamentaux. À nouveau, je proposerai une déclinaison en deux temps. Quels peuvent être les devoirs fondamentaux envers les générations futures? Cette fois-ci, on se positionne du côté des générations actuelles, celles qui, aujourd'hui, exercent une influence, une emprise sur le destin de l'humanité. Je proposerai donc une première analyse du point de vue de l'approche que je qualifie de jonassienne et une deuxième en termes d'approche plutôt pro-transhumaniste. Alors, pour les tenants d'une approche jonassienne, prudente à l'égard de l'intégrité des générations futures, il y a à nouveau des devoirs, une nébuleuse de devoirs fondamentaux qui viennent aussi s'enrichir de l'application de nouvelles logiques juridiques. Je vais m'expliquer de suite. Tout d'abord, par rapport à l'environnement, il y a de nouveaux principes qui se développent, tels que le principe de précaution, qui est un principe complètement novateur, innovant, et qui est issu du droit de l'environnement, qui vise à anticiper les risques de dommages graves et irréversibles que l'on pourrait causer tant sur l'environnement que sur l'intégrité de la planète. Et donc, ce principe de précaution est une logique d'anticipation dans un contexte de controverses scientifiques. Il s'extrait de la causalité simplifiante en assurant la possibilité de manier une complexité dans la causalité complexe. Il accorde de la place à la controverse scientifique. La controverse scientifique ne permet plus de se rendre coupable d'un attentisme, c'est-à-dire de ne pas agir, et qui pourrait être criminel parfois par rapport à l'intégrité des générations futures. Donc on voit bien que quand on parle de devoirs fondamentaux, on n'est pas du tout du côté, cette fois-ci, des générations futures, mais des générations actuelles. Lorsque on adopte une technologie, le principe de précaution requiert, dès la création de cette technologie, de garder ouvert l'imaginaire juridique au risque de dommages, de catastrophes. Quels peuvent être les risques? Financer les recherches sur les conséquences épidémiologiques ou environnementales de cette nouvelle technologie. Le principe de précaution va vivre tout au long de la vie de la technologie et s'accompagne de ce que l'on appelle un devoir de vigilance environnementale. Ce devoir de vigilance environnementale, on peut, pour faire simple, faire un parallèle avec la pharmacovigilance. Dès lors qu'un médicament est mis sur le marché, à tout moment, on fait revenir l'expérience négative, les effets négatifs adverses de ce médicament. Et s'il faut retirer ou prononcer un moratoire, nous pouvons le faire. Bien, de la même façon, créer un devoir de vigilance environnementale applicable à ces nouvelles technologies. Le principe de non-régression environnementale, formulé par le professeur Michel Prieur, s'accompagne aussi, quant à lui, de la reconnaissance d'un principe de non-régression, c'est-à-dire d'un principe d'amélioration continue de la protection de l'environnement. Ce principe de non-régression environnementale permettrait de faire une sorte d'effet cliqué, de ne plus revenir en arrière. Et quand on entend, comme ce matin, nos collègues dans la session numéro 2 sur les réalités de la dimension environnementale de l'IA, on voit à quel point cette analyse prospective de l'évolution de l'IA et de son emprise tant environnementale que sur notre société est fondamentale, car on voit bien que cela ne correspond pas à un modèle de développement qui soit soutenable. J'ai beaucoup aimé l'expression dans laquelle on voyait bien qu'on se concentre davantage sur l'efficacité numérique davantage que sur la sobriété numérique. Alors, sur les devoirs envers les générations futures, on pourrait aussi rajouter en parallèle le devoir de ne pas toucher aux principes ontologiques de l'espèce humaine, c'est-à-dire de ne pas intégrer de rupture civilisationnelle dans le destin authentiquement humain de l'humanité.
On pourrait également ajouter un principe que j'ai identifié dans ma thèse, qui est le principe généalogique de l'espèce humaine, et donc consacrer un devoir de ne pas porter atteinte à ce principe généalogique de l'espèce humaine. En quoi consiste-t-il? On va voir qu'il y a déjà des glissements qui sont devenus possibles avec les lois bioéthiques. Eh bien, le principe généalogique de l'espèce humaine vise à sonder que depuis l'aube de l'humanité, nous sommes tous issus d'une reproduction entre une gamète masculine et féminine, homme, femme, nous sommes tous reliés dans cet arbre généalogique de l'humanité. Alors effectivement, il y a déjà des glissements imperceptibles rendus possibles par la procréation médicalement assistée, mais le fait de nommer ce paradigme, ce principe généalogique de l'espèce humaine, permet de poser la question aussi autrement en termes de devoirs fondamentaux. Avons-nous un devoir fondamental de préserver ce principe généalogique de l'espèce humaine ou pas? Il est déjà aujourd'hui sujet à des sauts temporels avec maintenant la naissance d'embryons après le décès des parents. On voit bien qu'il y a un débordement temporel de l'existence humaine. Mais là, ce serait une rupture d'origine plutôt origine anthropologique. Enfin, par rapport à la sobriété, se pose la question de reconnaître des devoirs fondamentaux de finitude technologique. Si on voit et on prend conscience que le modèle de développement doit être jalonné, alors la question de la finitude, de la limite aux technologies devrait se poser. Cela fait écho à tout un développement de juridique qui est déjà très très avancé dans le cadre du protocole de Montréal, qui s'appelle le cool law, dans la droite ligne de la cool economy, c'est-à-dire que fin des années 80, des chercheurs et des acteurs ont anticipé l'augmentation future du recours au cooling, aidez-moi, pour réduire la température lorsqu'on a trop chaud. J'ai le nom en anglais, climatiseur. Voilà. Pour refroidir, Émilie. Voilà, climatiseur. Voilà. La climatisation. Et en fait, les acteurs ont, dans le protocole de Montréal, demandé déjà à réduire la quantité de gaz réfrigérants, parce que de toute façon, avec l'évolution et le changement climatique, le recours au climatiseur a vocation à exploser. Rien que par cette analyse-là, des modélisations ont démontré que toute action de lutte contre le changement climatique pourrait être mise en danger à cause de cette explosion de recours au climatiseur. On pourrait dire la même chose par rapport à l'IA et par rapport aux composés électroniques qui rendent nécessaire toute une société dépendante du numérique. Alors, pour conclure, en tout cas en dernier temps d'analyse, quels pourraient être les devoirs fondamentaux que les transhumanistes, quant à eux, pourraient invoquer au contraire? Et c'est là où on peut voir toute l'ambivalence d'une analyse en termes de droits et devoirs. Eh bien, déjà, souvent, et on l'entend beaucoup dans les discours, il y aurait un devoir de poursuivre le développement des techniques qui est plutôt issu d'une conception assez individuelle, individualiste. J'ai une liberté personnelle de connaître le progrès et on la transpose au collectif. Alors que les devoirs que j'ai présentés tout à l'heure sont ipso facto immédiatement situés au niveau collectif pour s'adresser au collectif humain futur. Un devoir de modifier le destin de l'humanité. Alors cette idée de devoir de modifier le destin de l'humanité, il peut paraître un peu messianique, en tout cas une volonté d'emprise sur la condition humaine, mais lorsqu'on échange, on comprend que dans une vision transhumaniste, l'humanité aurait atteint un niveau de développement tel que désormais l'humanité aurait la capacité de se modifier elle-même. Et donc, dans cette droite ligne, certains en invoquent à l'idée de devoir d'améliorer l'espèce humaine, le devoir de devenir transhumain. Alors, cela donne juste un premier tour d'horizon des thèmes que l'on va développer tous ensemble encore plus dans le détail. Mon approche vise à souligner la nécessité de penser de manière holistique, globale, systémique, interreliée et surtout transgénérationnelle toutes ces problématiques.
Bien évidemment, maintenant, nous allons aller plus en détail de chacun de ces thèmes. Et de suite après moi, c'est ma collègue Séverine Nadeau qui va pousser l'analyse plus spécifiquement en droit international de l'environnement. Je vous remercie.